On parle de politique, le sénateur CLR de la commune de Léconi qui vient d'être présenté aux militants de cette ville de la province du Haut-Ogooué. La cérémonie officielle a été présidée par le président fondateur de cette formation politique, le général Jean Boniface Asselé. Reportage. Léconi en effervescence et pour cause, la présence du président fondateur du Centre des libéraux réformateurs, le général Jean Boniface Asselé Dabani, accueilli ici par le vénérable Gabriel Osourou Amba, nouveau sénateur de la dite commune. Le tour de ville ouvre sur la cérémonie de présentation du dit sénateur. À celle-ci se greffent la gratitude et le message circonstanciel du président fondateur à l'endroit des structures de base. Voilà votre programme politique. Quand vous venez ici, n'allez pas chez les céléristes et les opposants. Nous ne sommes pas des opposants. Moment d'allégresse, instant autour duquel la politique à visage humain, celle de cohésion partisane et de partage, ont été également divulguées. C'est là, sans omettre, le rappel de la complicité existante entre le PDG et le CLR. Je nous dis que le CLR est un grand parti, est un excellent parti qui soutient la politique du président. C'est vrai qu'il peut faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Patience, c'est encore mon ministre des droits humains qui m'avait dit, espérons, espérons, l'espérance ne déçoit jamais. L'ambition et le positionnement politique réaffirmés, le soutien indéfectible à la vision de l'émergence ne souffre donc d'aucun nuage. Léconi va se développer autour du CLR, mais avec l'impulsion du PDG. Même s'il y a des problèmes, mais nous sommes de la même racine. Si Ali est candidat, nous devons tous nous battre. La remise des attributs du pouvoir traditionnel, communion mystico-spirituelle, a vite fait place à la visite des corps de garde construits dans les quartiers Samba et Akou.